Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sandwich que j'adore faire, un sandwich exceptionnel au pastrami. On se retrouve juste après l'intro pour la recette. Si c'est pas encore fait, fais pause, abonne-toi, mets la petite cloche des notifications pour rien louper. À la fin de la vidéo, si tu as beaucoup aimé la vidéo, n'hésite pas à la reproduire et à la partager avec tes amis. Lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve juste après l'intro. Alors pour notre vidéo, on aura besoin ketchup, mayonnaise. Ça, je vous mettrai les recettes juste ici, tout au long de la vidéo. Du pain de mie, aussi la recette ici. Du beurre, paprika, fort. Oignon que j'ai haché finement. Du poivre, du sel. Une pincée de sucre dans le sel. Du gruyère pour ma part. Et un pastrami exceptionnel. J'ai acheté ça chez un traiteur italien. On se retrouve tout de suite. On va mettre du beurre à fondre dans une poêle et on va faire toaster nos pains. Dans une poêle chaude, on fait fondre le beurre tranquillement. Pas aller trop fort, sinon ça va brûler, c'est pas le but. Pendant que je fais toaster mon pain, on va préparer la sauce. Donc, dans un bol, on va mettre notre mayonnaise, notre ketchup, à ça on va ajouter notre oignon, le paprika doux fort, sel, poivre. C'est simple, on va bien mélanger tout ça. Et on va réserver ça au frais, le temps de préparer notre sandwich. À ce stade de la vidéo, j'ai toasté mon pain que d'un seul côté. Donc le côté qu'on a toasté, on va prendre notre sauce qu'on a préparée avant. Et on va garnir généreusement. Comme ceci, les deux faces. Sur celle du dessus, mettez-en un peu moins. Vous verrez pourquoi après. Quand on arrive à ça, on va prendre notre pâte pastrami et on va généreusement garnir la partie basse de notre sandwich. Après, vous mettez à votre goût. Moi, comme j'adore ça, je vais mettre une bonne quantité quand même. Comme ceci. Et là, maintenant, un truc important, on va y attaquer le fromage. J'ai pris mon fromage dans le frigo, je l'ai mis assez frais, comme ça il fondra pas trop vite. Bon, mettez-en pas trop parce que c'est vite écœurant. Hein. Ça reste un fromage assez gras. Et là, à ce moment-là, vous pouvez rajouter les pickles, du piment mariné, de la saumure, etc.
Ça, c'est à votre goût. Moi, je préfère quand c'est le plus simple possible. Et là, je vais venir fermer mes sandwichs comme ceci. Je vais remettre du beurre dans la poêle et on va les faire dorer des deux côtés. Voilà, j'ai mis mon beurre. On va mettre la partie côté viande en premier, comme ceci. Et on va les faire dorer de chaque côté. On va appuyer légèrement dessus au cours de la cuisson. Allez-y pas trop fort, faut pas que ça brûle. En douceur, toujours en douceur. On contrôle notre cuisson. Là, on voit qu'il est bien grillé et on les retourne. On rajoute pas de beurre à ce moment-là. Il y en a assez dans la poêle. Hein? Et on laisse griller de nouveau de l'autre côté. Regardez ça comme ils sont magnifiques. Je vais vous faire une double présentation. Alors, on va les couper dans la diagonale. On va prendre une magnifique assiette. Et on va les disposer dessus. Regardez ça comme c'est beau. La même présentation approximative sur ma planche. Regardez ça. C'est juteux, c'est moelleux. Je vous explique pas les odeurs formidables que j'ai dans cette cuisine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, liker et lâcher un petit commentaire. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. On se retrouve la semaine prochaine, juste avant les fêtes, pour une nouvelle vidéo. Allez, porte-toi bien, mange bien, fais un peu de sport, bouge et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao, à la semaine prochaine.